notre émission Vis-à-vis. Le message d'aujourd'hui est apporté par Thierry Kopp et il a pour but de révéler les stratégies de Satan pour que vous puissiez les défaire et rester dans la victoire de Christ. Voilà, bonjour, je me réjouis de nouveau d'être parmi vous. Nous allons aujourd'hui aborder un message très important. Jésus dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et nous allons parler d'un sujet que le diable essaie vraiment de cacher. Le diable essaie vraiment, vous savez que le diable travaille dans les ténèbres et quand votre lumière vient, toutes les choses sont révélées. Et l'ennemi essaie justement d'aveugler le peuple de Dieu en disant qu'un chrétien n'a pas besoin de délivrance. Mais nous allons étudier avec la parole de Dieu et nous allons voir que la délivrance, c'est le pain des enfants. Et nous allons aussi voir tout ce qui ouvre la porte aux démons, parce qu'un démon ne peut pas simplement entrer en nous comme cela quand on se promène dans la rue. Il est nécessaire que Satan ait des droits pour pouvoir entrer dans notre vie. C'est pour ça que le thème de ce message, c'est « Porte d'entrée des démons ». Venez avec moi d'abord dans Jean 10, verset 10, nous dit que Jésus est venu pour apporter la vie et la vie en abondance et que Satan est venu pour égorger, pour tuer et pour détruire. Et c'est ce qu'il fait dès notre naissance. Venez avec moi d'abord dans Matthieu 15, verset 21 à 28. Matthieu 15, verset 21 à 28. Pour bien nous montrer que la délivrance, c'est pour les chrétiens et pas pour les inconvertis. Parce que Jésus dit que si la maison, elle est vide, l'ennemi revient et il habitera de nouveau. Si un inconverti, on fait de la délivrance, sur un inconverti, sa maison sera vide, il n'aura pas de quoi se défendre et l'ennemi pourra revenir et il reviendra peut-être même sept fois pire. Ne pratiquez pas de délivrance sur des inconvertis, c'est pour les convertis. C'est ce que nous montre ce texte, Matthieu 15, verset 21. Et Jésus, partant de là, se retira dans les quartiers de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne de ces contrées-là, sortant, s'écria lui disant, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée d'un démon. » Et il lui répondit mot. Et ses disciples s'approchant, le prièrent disant, « Renvoie-la, car elle crie après nous. » Mais lui répondant, dit, « Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et elle vint et lui rendit hommage, disant, « Seigneur, assiste-moi. » Et lui répondant, dit-il, « Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » La femme vient pour lui demander la délivrance. Et Jésus dit, « La délivrance, c'est le pain des enfants. Ce n'est pas le pain des incroyants, c'est le pain des croyants. La délivrance, c'est le pain des enfants, c'est pour les chrétiens. » Qu'est-ce qui s'est passé à notre nouvelle naissance? Nous avons simplement changé de propriétaire. Nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Nous avons changé de père. Notre père, c'était Satan avant et maintenant, c'est Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes comme une maison et dans cette maison, il peut y avoir des locataires. Le propriétaire, c'est vrai, il est changé. Avant, c'était Satan, maintenant, c'est Dieu. Mais il peut y avoir des locataires qui sont là. C'est ce que j'aime appeler des squatters qui sont en fin de compte les démons. Mais comment ont-ils pu entrer? Et la Bible nous dit qu'il peut y avoir l'héritage des générations. Dans Exode 20, verset 5. Exode 20, verset 5. Exode, chapitre 20, au verset 5. Il est dit, « Tu ne t'inclineras point devant elle et tu ne serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la troisième et sur la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bonté envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Donc nous voyons que si nos ancêtres ont touché à l'occultisme, cela aura des répercussions sur notre vie. Cela aura une influence sur notre vie et c'est ce qu'on appelle les liens générationnels. Et nous avons besoin de nous repentir de cela, de demander pardon à Dieu pour ce que nos ancêtres ont fait. Et par la prière d'un frère ou d'une sœur ou d'un serviteur de Dieu, pour être dégagé de cela, délié de cela, afin de pouvoir entrer dans notre destinée. Nous avons énormément de versets qui confirment cela. Mais j'aimerais passer au point suivant. Une autre source ou l'autre porte où les démons peuvent entrer dans notre vie, c'est dans le ventre de notre mère. L'enfant est lié à la mère. Si par exemple la mère, elle ne nous désire pas, la mère fait des études, elle a une relation sexuelle avec une autre personne,
qu'elle a rencontré dans une discothèque, elle tombe enceinte, elle n'avait pas prévu cela, poum, elle tombe enceinte, il peut y avoir des pensées de mort, il peut même y avoir une tentative d'avortement, il y a des craintes, des peurs qui sont là, tout cela sera retransmis sur l'enfant. Il peut y avoir un esprit de mort qui entre, s'il y a une tentative d'avortement, s'il y a des pensées de mort, cela va ouvrir la porte à un esprit de mort, ou disons que ça peut ouvrir, ce n'est pas toujours le cas, mais il y a de fortes chances que ce soit le cas. Je fais beaucoup de délivrance et de guérison intérieure, et je vois souvent, quand on fait un travail sur le fœtus, les choses terribles qui se passent. Il y a à peu près un an de ça, j'avais prié pour une femme, écoutez bien, c'est une femme qui est pasteur. Et elle me demande de prier pour moi parce qu'il y avait des fois des pensées de mort qui venaient en elle. Et en priant pour elle, Dieu me donne une vision et je vois une aiguille. Et je dis, écoute, je vois une aiguille, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. À ce moment-là, elle tombe par terre et elle devient toute rouge. Je prie, je prends autorité, je chasse la puissance, je chasse qui est là. Et puis par après, elle me dit que sa mère avait fait une tentative d'avortement sur elle qu'elle avait appris plus tard au moyen d'une aiguille à tricoter. Nous avons donc vu que le premier point, c'est l'héritage des générations. Le deuxième point, c'est dans le ventre de la mère. Le fœtus, il vit tout ce que la mère vit. C'est un être vivant, c'est pour ça que l'avortement, c'est un meurtre. C'est une tentative d'avortement, c'est une tentative de meurtre qui est là. Et cela ouvrira la porte à l'esprit de mort. Troisième point, c'est pendant l'enfance. L'atmosphère familiale est très importante. Si l'enfant est toujours rejeté, si des paroles négatives sont toujours prononcées à son égard, s'il y a un manque d'amour, il est possible qu'il y ait un esprit de rejet qui prenne place. Et bien souvent, j'ai vu qu'un des premiers démons qui s'installe dans la vie d'une personne, c'est le rejet. Le rejet est la porte pour que d'autres démons puissent entrer dans la personne. Le quatrième point, c'est la sexualité. La sexualité, les abus sexuels, les viols, les incestes, sexualité avec des animaux, la pornographie, les relations sexuelles hors mariage, l'homosexualité, toute relation sexuelle en dehors des normes de Dieu peut ouvrir la porte aux démons. Dieu a créé la sexualité. La sexualité, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de positif, mais il est nécessaire que ce soit fait selon les normes de Dieu. Parce que si c'est fait selon les normes de Dieu, il y a la protection de Dieu qui est là. Si c'est fait en dehors des normes de Dieu, nous ouvrons et nous pouvons ouvrir la porte à Satan et à ses démons. Après, un cinquième point, c'est les abus physiques. Par la crainte, les portes s'ouvrent. Un jour, j'avais évangéliser une personne, c'était une sataniste. Elle était venue dans notre église, et elle était venue pour détruire l'église. Et Dieu m'a donné une parole de révélation. Puis je suis allé la voir, elle était dehors, c'était dans une église de maison, elle était dehors dans le jardin. Et j'avais pris autorité, je dis, Satan, au nom de Jésus, maintenant je te lis, et toutes les puissances qui sont là. Et je suis allé voir cette femme. En m'approchant d'elle, elle est tombée à genoux. Elle a dit, s'il te plaît, Thierry, aide-moi. Je dis, oui, elle a accepté, mais il faut que tu acceptes Jésus-Christ. Sinon, je ne peux pas t'aider. Et elle a accepté Jésus-Christ. J'ai prié pour elle, pour sa délivrance. Et à ce moment-là, elle a commencé à m'expliquer. Rappelez-vous que c'était une sataniste, elle m'a expliqué comment qu'elle faisait pour que des démons puissent entrer dans les personnes. Des fois, elle allait dans des discothèques, elle couchait avec des hommes, et par les relations sexuelles, les démons entraient dans les personnes. Un autre moyen qu'elle utilisait, elle racontait, elle parlait un peu d'occultisme aux personnes, les personnes étaient intéressées. Quand elle voyait que les personnes étaient intéressées, elle commençait à raconter des histoires, puis d'un seul coup, elle leur faisait peur. Et par la peur, elle m'a dit, les personnes s'ouvraient, et c'était comme sans défense, et les démons pouvaient entrer. Un autre moyen qu'elle m'a dit, c'est que elle, quand elle voyait des femmes enceintes, elle les maudissait, elle prononçait des paroles de malédiction, et les personnes, des fois, perdaient leur bébé. Et pendant qu'on priait pour elle, avec une sœur, on a reçu une parole de révélation, on a juste reçu un mot, Moloch, et c'est des enfants qui étaient sacrifiés à un dieu qui s'appelait Moloch, et c'est ce qui avait possession d'elle. C'est ce qu'il y avait en elle. Et là aussi, nous avons vécu des temps très forts de délivrance où le Seigneur a prouvé sa puissance, où le Seigneur a prouvé son amour pour ceux qui sont liés, pour libérer les captifs. C'est pour cela que Jésus est venu. Un autre point,
C'est les abus émotionnels, rejet des parents, des amis, du conjoint, tous les abus qui sont liés avec nos émotions et tous les abus émotionnels. Cela aussi peut ouvrir la porte aux démons. Le septième point, ce sont les abus provenant du rituel satanique. Vous savez que les satanistes, ils pratiquent beaucoup d'orgies, ils pratiquent beaucoup de choses, ils lient les personnes à travers ça, à travers la sexualité. Je pourrais vous donner énormément de témoignages, mais ce n'est pas le but de dire toutes les horreurs qu'ils font, tous les pactes qu'ils font, toutes les alliances qu'ils font, toutes les abominations qu'ils font, parce que ce sont des abominations aux yeux de Dieu. Et bien souvent, c'est lié à des rapports sexuels. Huitième point, les films d'horreur. Les films d'horreur, les personnes qui écrivent les films d'horreur sont bien souvent inspirées par le monde démoniaque. Des fois, Dieu m'ouvre les yeux et je peux voir dans le monde spirituel, je vois les anges ou je vois des démons et je peux vous garantir que c'est des choses qui sont réelles et que même dans la délivrance, des fois, nous avons cinq sens spirituels. Des fois, Dieu me montre les démons ou dans les personnes ou des démons qui sont là dans la pièce ou des fois, je ressens comme un froid qui est dans la pièce. Surtout quand il y a un esprit de mort, il y a aussi des fois l'odorat qui est ouvert et je peux ressentir, c'est terrible, où on peut voir les ténèbres dans une pièce. Pendant la délivrance, cette femme que je vous raconte qui était sataniste, il y avait les ténèbres dans la pièce et un froid et une odeur qui était là. C'était terrible. Un autre point sont les arts martiaux. Lorsque les personnes méditent et se vident, comment pouvez-vous expliquer autrement qu'un petit asiatique pesant 45 kilos mouillés, ils puissent détruire des briques et des montagnes de briques et tordre des barres de fer. Quelle est cette puissance qu'il a? C'est quelque chose de surnaturel qui vient, c'est quelque chose de démoniaque. Et une autre porte, c'est une porte très importante. C'est la porte du non-pardon. Ça touche bien souvent, malheureusement, les chrétiens. J'ai, avec effarement, bien souvent, lors de séminaires de délivrance, je commence bien souvent par le non-pardon. Parce que si on ne pardonne pas, Dieu ne peut pas nous pardonner. Et c'est ce qu'il est dit dans Matthieu 18, du verset 23 à 35. Mais nous allons juste prendre, à la fin, Matthieu 18, au verset 35. Il est dit, 34. « Et son Seigneur, étant en colère, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qui lui était dû. » Ainsi aussi mon Père Céleste vous fera si vous ne pardonnez pas tout votre cœur chacun à son frère. Si nous ne pardonnons pas, nous sommes livrés à qui? Nous sommes livrés aux bourreaux au pluriel. Et à votre avis, c'est qui les bourreaux? C'est les tourmenteurs, ce sont les démons. Le manque de pardon ouvre la porte aux démons dans notre vie. Je vois des gens qui souffrent de cancer, je vois des gens qui souffrent de maladies. Bien souvent, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais bien souvent, pour les cancers, c'est dû à un manque de pardon. Si cela vous parle, ne vous sentez pas accusé, mais pardonnez comme Dieu vous a pardonné. Et dans ce texte de Matthieu 18, nous voyons il y a un serviteur qui vient vers son maître, il le supplie de lui remettre la dette, et le maître, plein de compassion, est là et lui remet la dette. Et la personne à qui la dette a été remise rencontre une autre personne qui lui devait une dette à elle, une dette qui est bien plus petite, et cette personne ne lui remet pas la dette. Et parce qu'elle ne lui a pas remis la dette, parce qu'elle n'a pas pardonné, elle n'a pas aussi reçu le pardon. Et je sais que ce n'est pas toujours évident de pardonner, mais le pardon est une décision. Aussi demandons à notre Père de nous aider à pardonner. Bien souvent dans ma vie, j'ai dû pardonner. J'ai dû pardonner à des personnes qui ne le méritaient pas. Mais moi aussi, je n'ai rien mérité. Et Dieu m'a pardonné. Je n'ai pas mérité son pardon. Je n'ai pas mérité sa grâce. Je n'ai pas mérité d'être sauvé. Et le fait de comprendre cela, de regarder à la croix et de savoir qu'il nous a été fait grâce, non parce que nous le méritons, parce que la grâce est un don qu'on reçoit, non parce que l'on fait, non parce que l'on mérite, mais justement parce que nous avons besoin de grâce. Un jour, il y a une dame qui s'approche de l'empereur Napoléon. Son fils avait déserté et elle dit « Empereur, je demande que vous fassiez grâce à mon fils et qu'il ne soit pas fusillé. » Et l'empereur a dit « Mais il ne le mérite pas. » Et cette dame a dit « Justement, empereur, c'est parce qu'il ne le mérite pas que je vous demande de faire grâce. Et peut-être des personnes vous ont blessé, elles ne le méritent pas, mais faites leur grâce. » Nous aussi, nous ne méritons rien. Il nous a été fait grâce, restons dans l'esprit de la grâce
et faisons grâce aux personnes comme il nous a été fait grâce. Une autre porte qui peut être ouverte, c'est à travers les fausses religions et les baptêmes de consécration. La Bible, elle dit qu'il y a des doctrines de démons. Donc, si les démons arrivent à travers des pensées, des doctrines qu'ils nous donnent, s'ils arrivent à nous faire croire que ces doctrines sont justes, s'ils arrivent à nous faire croire cela, ils auront une porte ouverte dans notre vie et ils pourront prendre possession de certains domaines de notre vie. Je n'ai jamais vu un chrétien posséder. Posséder signifie que c'est le diable qui a le contrôle de toute la personne. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Et pourtant, j'ai vu des cas extrêmes de personnes qui étaient démonisées. Mais je crois qu'une partie de la personne pouvait être sous l'influence de Satan. C'est comme si je prends un verre, si je remplis ce verre d'eau, c'est pas l'eau qui a le verre, c'est le verre qui a l'eau. Et c'est ce qui se passe avec nous. C'est nous qui possédons des démons, c'est pas les démons qui nous possèdent. Il est très important de comprendre cela. Jésus est le Seigneur, mais il n'est peut-être pas le Seigneur de tous les domaines de notre vie. Si nous ne soumettons pas certains domaines au Seigneur, il y a quelqu'un d'autre qui sera là et qui prendra possession de ces domaines de notre vie. Permettons à Jésus d'être le Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Nous avons dit les fausses religions, les baptêmes de consécration, parce qu'il y a des baptêmes qui sont là, qui nous consacrent. Par exemple, les francs-maçons sont consacrés francs-maçons. Ils prennent des doctrines qui sont bibliques. Ils disent « nous mourons en Christ, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi en tant que chrétien ». Le baptême, c'est un ensevelissement, c'est le signe que nous sommes morts à nous-mêmes, nous sommes morts à notre vieille nature, et ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et pareil, nous sommes chrétiens, nous reconnaissons cela par cet acte aussi. Et pareil, pour les francs-maçons par exemple, ils meurent à ce qu'ils étaient et ils ressuscitent francs-maçons. Et c'est des fausses doctrines, c'est des baptêmes de consécration. Il y a aussi le légalisme, la religiosité qui peut aussi faire, qui peut ouvrir la porte à des esprits, de s'appuyer sur autre chose que sur la croix de Golgotha, de s'appuyer sur autre chose que ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Si on s'appuie sur nos propres efforts pour être juste, si on s'appuie pour tout ce que l'on fait pour Dieu et de se présenter avec cela devant Dieu, l'apôtre Paul dit très bien aux Galates, mais qui c'est qui vous a ensorcelé? Qui c'est qui vous a annoncé un autre évangile? Bien qu'il n'existe pas d'autre évangile, le seul évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui est mort à la croix et qui est ressuscité pour que nous puissions être justifiés. C'est le seul moyen pour être justifiés. Si nous essayons d'être justes aux yeux de Dieu par un autre moyen, c'est ce que la Bible appelle clairement de la sorcellerie. Une autre chose qui est très importante, c'est le 14e point, c'est la passivité de la volonté. Dieu nous a donné notre volonté pour combattre. Notre volonté est le moyen que Dieu nous a donné pour résister au diable. Pour résister au diable, cela se fait au travers de notre volonté. Dieu ne veut pas que nous soyons passifs avec notre volonté. Pour ça, il nous dit « résistez au diable et il fuira loin de vous ». Et des pratiques comme le yoga ou de la méditation transcendantale ou toute autre pratique qui font que nous ayons le vide en nous va ouvrir et ouvrira de la porte à des démons qui pourront rentrer en nous. La méditation chrétienne, c'est de penser et de réfléchir, de méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas faire le vide en attendant de quelque part une révélation. La méditation chrétienne, c'est penser à Dieu, penser à la parole de Dieu, méditer sur Jésus-Christ. Ce n'est pas faire le vide. Mais justement, il y a certaines religions et certaines pratiques comme le yoga qui nous demanderont de faire le vide. Et nous allons encore voir, ça c'est la porte numéro 14. Je répète, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable ne fuit pas comme cela. D'abord, il faut que nous soyons soumis à Dieu. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et ce dernier fuira loin de vous. Dieu nous donne clairement des ordres. Soumettons-nous à Dieu et résistons au diable et alors il fuira loin de nous. C'est le processus que Dieu nous demande d'avoir pour pouvoir vivre dans la victoire. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons plus que vainqueurs. «
vivre dans le péché. La Bible dit clairement, le péché, c'est la désobéissance à la volonté que l'on connaît de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance à ce que nous savons, ce que Dieu veut que l'on fasse. Et ce n'est pas juste pécher, je dis bien de vivre dans le péché. Parce que chacun de nous, on va pécher, mais le sang de Jésus est là pour nous laver, pour nous purifier. Mais si une personne vit consciemment dans le péché, cela ouvrira la porte aux démons. Et la Bible nous dit cela dans 1 Samuel 15, verset 23. Elle nous dit que la désobéissance, c'est comme la divination. Et la divination va ouvrir la porte à des esprits. Si nous péchons volontairement et vivons volontairement dans le péché, cela ouvrira la porte aux démons. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme. Il était dans une église qui disait qu'on ne peut pas perdre son salut. Et cet homme, il était là, il rentre dans une pièce, j'étais avec plusieurs chrétiens à table, il rentre, il s'assoit, et le Seigneur me parle et lui dit, « Dis-lui, s'il ne se repent pas, il ira en enfer. » Je me dis, « Waouh, Seigneur, c'est une parole difficile. » Et je dis, « Écoutez, monsieur, moi, je ne vous connais pas, mais je pense vraiment avoir cette pensée de Dieu pour vous. Si vous ne vous repentez pas, vous partez en enfer. » Et cet homme me dit, « Oui, mais dans l'église où nous sommes, on nous enseigne qu'une fois sauvé, toujours sauvé, on peut vivre comme on veut. » J'ai dit, « Ça, c'est une doctrine de démon, ce n'est pas juste. » Je ne vous connais pas, monsieur, mais je pense vraiment que c'est une pensée de Dieu. Et cet homme voulait discuter. J'ai dit, écoutez, je ne veux pas discuter avec vous. Moi, je vous communique la parole. Après, vous êtes responsable. Moi, je suis responsable de vous la communiquer. Vous, vous êtes responsable ou de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Puis j'ai laissé la personne. Il faut être sage. Ne discutons pas. Permettons au Saint-Esprit de faire son œuvre. Si nous, on essaye humainement de convaincre la personne, le Saint-Esprit ne pourra pas agir. Je me suis tu, j'ai parlé avec les autres personnes. Cette personne me dit, ah, et avant ça, je l'avais dit, si vous désirez, je peux prier pour vous. Et au bout de quelques minutes, cette personne me dit, écoutez, je ne suis vraiment pas en paix, je ne suis pas à l'aise. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? J'ai dit, oui, avec plaisir. Et à ce moment-là, j'ai levé la main. Écoutez bien, c'était un chrétien né de nouveau. Je lève la main pour aller prier vers lui. Et à ce moment-là, cet homme tombe, il est comme propulsé. La table se lève, la table est renversée, la table tombe par terre. Cet homme se met à trembler par terre, à faire des bonds. Et il commence à crier, « Seigneur Jésus, je te demande pardon de regarder des films pornographiques. Seigneur Jésus, je te demande pardon d'être toujours sous. Je te demande pardon pour tous mes péchés sexuels. » Et une grande repentance est venue. Et là, j'ai pris autorité, j'ai pu commencer à chasser les démons. Et cet homme a été complètement libéré. Et aujourd'hui, il a le privilège de pouvoir servir le Seigneur. Donc nous voyons qu'il y a des doctrines de démons qui veulent nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Soyons sages. Et ne croyons que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Sa parole est la vérité. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il pense et c'est ce qui s'accomplira. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le 16e point, c'est les médecines parallèles. Il y a aussi les drogues en 17e point, il y a l'alcoolisme, des gens qui sont liés à l'alcoolisme, il y a le rejet, il y a les peurs, il y a la colère. Le Seigneur nous dit de ne pas laisser, de ne pas donner accès à Satan à travers notre colère. Il y a les tentatives de suicide, boulimie, anorexie, les paroles inconsidérées. Et voilà les 24 points que j'ai partagés avec vous. Si vous vous êtes reconnu dans un de ces points, répétez simplement après moi. Il est nécessaire que vous vous repentiez et que vous soyez délivrés. Alors répétez simplement après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort et ressuscité pour moi. Je te demande pardon d'avoir touché à l'occultisme. Si vous êtes allé voir des voyantes, si vous êtes allé voir des devins, si vous êtes allé voir des astrologues, si vous êtes allé voir des gens qui vous ont imposé les mains, tout ce qui est occulte, c'est tout ce qui est caché, c'est toutes les sciences cachées. Si vous avez touché à cela, demandez pardon au Seigneur. Si vous avez fait des tentatives de suicide, demandez pardon au Seigneur. Tout ce qui a été nommé ici, demandez pardon au Seigneur. La repentance ôtera les droits de Satan dans votre vie. Alors repentez-vous. Et maintenant, j'ordonne au nom de Jésus que tout esprit méchant, tout esprit impur, vous quitte maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tout esprit méchant, quitte ces personnes maintenant au nom de Jésus. Et je te remercie Seigneur pour ton sang. Et je te remercie, Seigneur, de remplir ces personnes maintenant de ton Esprit Saint. Que ces personnes soient remplies de ta présence, que ta protection soit sur eux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, si vous êtes intéressé pour d'autres enseignements, nous tenons à votre disposition une école biblique, l'école biblique Harvest Ministry.
C'est une école biblique par correspondance. Nous vous ferons un plaisir de vous envoyer tous les documents nécessaires pour l'inscription à cette école par correspondance. Vous pouvez simplement écrire à l'email qui vous est proposé, qui vous est présenté lors de cette émission. Que Dieu vous bénisse encore richement et entrez dans la destinée que Dieu a prévue pour votre vie. Amen.